continuons avec celui-là que Bonjour 2010 vous a révélé. Par sa prestation, il suscite l'admiration. Il est magnifique dans toute sa façon. Magnifique dans sa façon de parler. Magnifique dans sa façon de marcher. Magnifique dans sa façon de nous faire rire. Magnifique et avec nous, applaudissements pour lui. One, two, one, two. Bonne année. Je vous salue en... Je vous salue globalement. Je vous salue en grosso modo. Soyez dans la... Mais la joie, actuellement à Abidjan, la joie de ramasser un bédou dépend du quartier où tu le ramasses. Si tu vois un bédou à la rivière, tu souris avant de prendre. Si tu vois un bédou à Yopougon, tu prends d'abord avant de sourire. Si tu as vu un bédou à Abobo, faut le laisser. C'est piège. Il y a longtemps, ils ont frappé voleur. Bédou à Yafil dessus, plus tu suis et tu le fil. Dans un couloir, 50 dans ton oreille. On a dit à Bobo, et Abidjan, actuellement, il y a les quartiers où voleurs ne jouent pas d'être. Voleurs ne va pas là-bas d'être. Exemple, Sikoji. Est-ce qu'il y a Sikoji ici? Un tonton qui a attrapé voleur à la Sikoji, il l'a attrapé par ici. Il s'en va au commissariat et lui avance là-bas. Il met un voleur à bouche. Faut le voir. J'ai peur, faut mes 12 noirs. Et c'est délégué. C'est un commissariat, non? Là-bas, là, on me connaît. Arrivé à un niveau, il y a des jeunes qui jouaient dame, Awale, Ludo, Poker. Ils demandent, vieux père, c'est quoi? Tu vas où avec ça? Ils disent, les enfants, c'est voleur. Oh. Ils disent, mais vieux père, tu vas où avec? Il dit, au commissariat, j'attends ton nom. Vous donnez. C'est là qu'il a vu que voleur comprend français à Abidjan maintenant. Faut le voir, il y a le tonton. Hey, tonton, un homme se distingue par sa parole donnée. Tu as dit, tu m'envoies au commissariat, faut m'envoyer. Des gens qui sont au quartier ici, ils font rien. Ils ne savent même pas comment tu as souffert pour attraper ton voleur. Tu vas leur donner comme ça. Regarde, tonton, je n'aime pas tes trucs là. Un taxi, c'est moi qui paye. C'est la première fois qu'il a vu voler payer taxi. En tout cas, meilleur vœu. On n'a qu'à parler français, ils ont menti sur nous. On dit, nous les Djoula, on ne parle pas français. On dit, Djoula, c'est pas dit U. Il dit, je vais aller à Djamé pour vérifier. Petit Djoula, on l'appelle Bakari. Ses amis le surnomment Bacchus. Son palabre à son ami Ladji. Oh, à toi, oh. On vient les séparer, on dit Ladji, il y a quoi? Il dit, c'est pas Bakis. J'étais équipé et puis il voulait me donner qui de points. C'est ça, il a dribblé et puis il a donné qui tête. Du corps. Il est tombé sur le guidron et puis son nez est équipé. On dit, ma foi. Mais ça, au moins, c'est pas grave. J'ai vu des gens parmi vous qui parlent français. Ils ont fini avec français. Il y a un qui breakait go dans le couloir là-bas. Pendant que d'autres cherchaient ticket, lui breakait go. Il a fini avec un poème. Il faut le voir manager la go. Paysan, tu sais que tu es l'aspirine de mes fièvres. Et puis il a enchaîné en même temps. Tu sais que tu es le tourbillon qui nettoie la poussière sur le chemin de mon bonheur. Il y a un Louba, un Nouchi qui passait, il a entendu, il dit, lui, c'est un breaké go à la Rivera, dans le même registre des poèmes. Lui, il va tuer. Il arrive à la Rivera, où on sonne cling, long, là. Il a laissé là-bas, ses portails, là-même, il tape. Ouais, le bâtard, la faute de Dia. Il y a mon Wendy, là. C'est la go, là-même, qui a ouvert. Elle s'en dit, oui, monsieur. Il dit, paysan. Tu sais que quand il y a tes yeux, quand la moquette se promène dans mon corps. La fille dit, s'il vous plaît, monsieur, si vous ne vous exprimez pas dans un français correct, je serai obligé d'appuyer dièse sur vos sentiments.
Le gars est retourné au black. Il allait voir son ami qui allait loin à l'école. Lui, il a niveau jardin. Il dit, alors, ce qu'on a, elle est foussée, ni hein. Elle dit, si moi, je ne comprends pas les bons Koumali, elle va prendre mon oué. Il dit, toi-même, ce que tu dis là, est-ce que tu t'entends, tu te comprends? Il dit, c'est à cause de ça. Il dit, il faut me donner le son là. Il dit, bon, si tu la vois, tu lui dis ceci. Les sentiments que j'ai pour toi se développent de façon exponentielle. Et mon cœur galope au rythme des battements de ton âme. Il dit, rien, c'est pas pareil, je suis venu te voir, tu as mes coups mal colorés. Tu dis sentiment avec quoi? Il dit, les sentiments que j'ai pour toi se développent. Il n'a même pas fini. Voilà la fille qui est venue payer jupe au black. Le gars le pousse, dialogue direct avec la fille. Elle dit oui, il dit non. Quand je te vois, il a oublié le film. Quand je te vois, c'est qu'il était vu. Moi-même, je sais que je te vois. Je te vois. La fille dit, tu me vois et puis quoi? Le gars cherche son ami qui lui a montré le poème. Alors, c'est quoi? Quand il la voit et puis quoi? Il dit, sentiment, bête là, sentiment. Il s'est rappelé en même temps. Il dit, ah, quand je te vois, les sentiments que j'ai pour toi se développent de façon exponentielle et mon cœur galope au rythme des battements de ton âme. C'est là la fille a dit, oh, oh, oh. Où est-ce que tu veux en venir au juste? C'est là-bas, français est fini. Où est-ce que tu veux en venir au juste? Le gars a arrêté jusqu'à... Il n'avait pas prévu ces plans-là. Il dit, moi-même, je voulais venir vers les 16h là. Mais si c'est 22h aussi, je pars là-bas. Oh! Ça peut aller? On reste dans les nouchis. On reste dans les nouchis. Nouchi dans bonne année même, c'est dangereux. Faut le voir. Lui, il agresse à un couteau. Il n'a jamais pris pistolet. C'est un couteau. Lui, il prend toujours pour agresser. Le premier, il a croisé un vieux père qui partait au boulot. Il a sorti le couteau là. Badara. Faut donner ton bédouille. Voici ton haricot est propre. Le gars dit, monsieur, excusez-moi, je vais au boulot, je suis pressé. Il dit, tu es malade. Donc moi, je ne suis pas au boulot, quoi. Demain, tu vas au boulot là. C'est quel boulot? Le gars dit, oh, chut. Il dit, ah. Je suis quel service? Il dit bloc opératoire. Il dit, oh collègue! Toi tu traînes un couteau, moi aussi je traînes un couteau. Faut que bras chien, mange pas chien, faut que bras. C'est là le gars dit non, hein. C'est que nous on prend pour opérer là, c'est pas couteau de. On appelle ça bistouri. Le gars dit bistou quoi, c'est ça, ça sort pas. Quand ils seront, moi aussi, ils seront applaudissés vous. En tout cas, bonne année 2011. Je voulais saluer les femmes. Est-ce que les femmes sont là? Oui. Il y a une femme dans mon quartier, tous ses enfants sont brigands. Oui. Dernier de 2 mois, elle a mis au dos comme ça. Elle partait au marché. Et puis les brigands l'ont arrêté. Oh, la vieille soirée là. C'est fête, il faut donner la hand de pagne. Elle a enlevé, elle a donné. Il y a un qui dit, il faut donner la hand de... Faut donner la hande d'oro, chaîne, tout ça là. Elle a donné. Alors dit, souvent les femmes là, elles ont la hande de loyer. Elle a donné. Il y a un qui a réagi sur son dos, il dit, elle a bébé de 2 mois. C'est qu'il y a la hande de biberon, biberon. Quand ils ont dit la hande de biberon, un coup, tu entends, Eré! Eré! Mon hande de biberon, si tu as essayé, Eré! Y'a un bébé là-bas, il a fini à nous. Ah, en tout cas, pour vous dire merci, la Côte d'Ivoire est un pays de paix, de joie et de tourisme. 2 blancs qui sont allés à la rue Princesse pour faire le show. Ah, c'était bon. Ils ont fait le show samedi. En rentrant chez eux à Biétry, dimanche matin 31, leur voiture en panne. Ils font quoi? Ils prennent un taxi dimanche à 10h. Ils bougent devant Cypress. Faut voir blanc arrêter taxi. 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 C'est pas Blanchin Talk, hein, c'est un sticker. Taxi. Quand Taximètre a vu Blanc, il dit, oh, je vais payer mon arriéré de loyer.
À 10h, il a mis double tarif. De Yopougon à Djamé, ils sont à 800 600. Ah, il va les tuer là. Dans Djamé, à Trècheville, ils sont à 1 200 000. De Trècheville à Mako. C'est là le blanc qui est derrière, il s'est réveillé de son daïko. Et puis il appelle son frère qui est devant. Sébastien. Sébastien. Est-ce que tu as mon pistolet là? Ta semaine, là, comme nous en Côte d'Ivoire, on est habitué à rumeur, on pensait que c'était rumeur. Ta semaine a négligé, mais le blanc insistait. Sébastien. Sébastien. Est-ce que tu as mon âme? Son ami regarde derrière dit, oui, Jean, j'ai ton pistolet. Il dit, il doit y rester combien de balles? Il dit, une ou deux. Tu entends, non, Sébastien, j'avais 10 balles, souviens-toi. Le taximètre qui voulait nous doubler à Bobo, je l'ai abattu avec une balle dans la tête. L'autre qui a essayé à Poboué, je l'ai descendu avec 2 balles dans la poitrine. Ça fait 3 balles gaspillées, il doit y rester 7. Quand ta soumette l'a entendu ça, il a éteint Radio Albayan. Ils arrivent à Pietri, ça fait 2 millions 6. Le blanc descend et dit, ben chauffeur, s'il vous plaît, là on vous doit combien? Tasman dit, qui? Moi. Moi-même. C'est quand vous êtes descendu, je vous ai encaissé. Je suis le seul taximètre qui ne prend pas la haine, c'est clair, Abidjan ici. Mesdames et messieurs, je voulais vous dire bonne année. Que cette année, les éléphants n'ont qu'à aller loin. Et les femmes, même quand tu es en studio pour faire un morceau pour eux, on dit, il faut laisser, ils sont déjà éliminés. Tu dis, il y a des appels, on dit, il faut chanter pour Africa. Dans ça, match amical à Bobo en partant. Il faut voir match amical à Bobo, petit blanc contre les petits à Bobolais. Il faut voir l'arrivée des petits blancs dans le car, Choco, coq sportif. Allez les bleus, allez les bleus, allez les bleus, allez les bleus, allez les bleus. Quand Abobola a vu ça, eux aussi ils sont dans un baka, il n'y a pas portière. Eux aussi ils ont entonné leur morceau. On va baka ça, on va boro ça, on va tege ça, on va baka ça. Mais l'entraîneur des blancs, c'est un blanc qui a duré à Bobo Kouloudia. Il a appelé ses joueurs Petit Zidane, Petit Ribéry. Ça fait 20 ans que je vends Yougou Yougou à Bobo. Ici, quand vous entendez, on va baka ça. Ça veut dire que le match n'aura pas lieu. Bonne année 2011! Que Dieu vous embrasse!